Bah, salut à tous, du coup là on est sur Conan Exile à nouveau, donc contrairement à la vidéo de tout à l'heure, ou du coup parce que c'est partagé tout à l'heure, mais de cette nuit d'hier, là on est sur le serveur donc de Lagertha avec les mods. La liste des mods, je vais faire en sorte de la mettre en description au pire, mais de toute manière il se télécharge automatiquement dès qu'on se connecte sur le serveur. Ça prend un petit peu de temps vu qu'il y en a des gros. Mais là en fait j'ai voulu enregistrer dans le sens où j'ai été sur le cul. Vu que ça vient sûrement d'un mode, je suis au moment où on crée le personnage, et en fait l'interface est totalement repensée, et le jeu devrait clairement devenir comme ça, mais bon, on peut directement mettre le nom, on peut régler le pitch de la voix en plus du nombre de voix, il y en a beaucoup plus que les 3 ou 4 je crois de base, on peut déjà choisir les crimes, en fait on peut tout faire. Et du coup, bon, on va faire ça ensemble, comme ça vous verrez l'étendue du potentiel de ces modes-là. Je finis d'écrire et c'est bon. Du coup, donc j'ai choisi désobéissance au clergé, parce qu'il n'y a pas désobéissance à l'État. Alors du coup, bah, je mets clergé, hein, c'est pareil. Meurtre d'un serpent sacré, ça c'est bon, parce que ça peut être Macron. Donc on va mettre le serpent sacré. Dans l'attente de l'inquisition zingarienne. Non. Profanation du temps de temple. Oui, ça peut être l'Assemblée nationale ou autre chose. Ça pourrait être pas mal ça. Débauche. Bah, pas tout le temps non plus, donc faut pas. Hein. Et c'est pas un crime. Propagation de rumeurs malicieuses. Ah, truc de complotiste. Ah, on est bien là. Tricherie au dé, ouais, truc de complotiste. Allez, donc tueur de président, désobéir à l'État et complotiste. On est bien, on est bien, on est bien. Du coup, ah ouais, putain, mais il y a beaucoup plus de choix, même les couleurs, c'est n'importe quoi ça. C'est quoi ça, c'était Tiff? Ah non, c'est son visage. Merde. Ah bah il y a plus de visages aussi. Il y a plus de visages. Il y a des elfes. On peut avoir des oreilles pointues. Bon, la tête a l'air moins nette par contre quand c'est une tête modée, je crois. Je suis pas sûr. T'as même avec des yeux de démon. Oh non, mais putain, je vais mettre 6 heures à créer mon perso là-dessus, là. Qu'est-ce qu'ils attendent le jeu officiel pour faire pareil, quoi? Bon, là, c'est une tête qui me ressemble pas. De toute façon, il n'y en a aucune qui vont me ressembler. Ils sont tous beaux. Ça, c'est pas mal. Celle de base. Et le coup des yeux de démon et tout, là, c'est de la folie. Mais j'ai envie d'être le plus réaliste possible, donc on va éviter les yeux de démon, je pense. On verra plus tard sur un autre perso à la rigueur. Ça, c'est pas mal. Et donc, il y avait celle-là sinon. Ouais, je préfère celle-là. Ok. Du coup, niveau couleur, c'est n'importe quoi. On peut même ressembler à Hulk. Ha! Je peux faire Hulk! Et je peux faire un Schtroumpf. Ah non, c'est pas un Schtroumpf, c'est Barney. I love you, you love me. Look at the nénés, exquis. Du coup, on va le faire normal. Hein. Tiens, un peu bronzé, est-ce qu'il y a du soleil là-bas? Alors moi je suis à moitié daltonien, donc laisse tomber pour différencier les couleurs. Ouais, plutôt ça fait plus naturel. Ok, donc les cheveux, voilà les cheveux. Je suis sûr qu'il y a des coupes de ouf. Ah, elle est belle celle-là. Et je vais mettre la même coupe que je mettais sur PS4. Hein. C'est comme ça que je me reconnais. Ah, sympa, très japonais. Chauve, chauve, mi-chauve, demi-chauve. C'est celle-là. C'est comme ça. Les cheveux, la barbe, je ne crois pas que j'en mettais à l'époque. Et en plus, il y a des trucs, je vois même pas à quoi ça ressemble. Ah, vu que j'ai pris un peu d'âge depuis le temps que j'ai pas rejoué, on va mettre. Ça est grisonnant, ça serait pas mal. Et du coup, les cheveux grisonnants aussi. Ah, c'est beaucoup trop grisonnant là. Bon, bah, les cheveux, il se fait des teintures, on va dire. Les yeux. Ah, t'as même le truc de couleur. Oh putain. Voilà, problème d'avoir un petit souci avec les couleurs, c'est qu'on a du mal à voir ce qu'on met. Mais je crois que c'est ça, moi. Ils sont pas noirs, mais. Oh, remarque, je vais mettre noir. Le fard à paupières, c'est ça? Et les dessins. Ok. Le regard assez sombre. Bah. Brows. C'est quoi, brows? Ah, c'est les sourcils. Sourcils, pardon. Quel con. Oui, c'était les sourcils.
comme ça. Et la couleur des yeux, du coup, en noir. Donc ça, c'est fait. Juste pour la tronche. Du coup, la tête, c'est quoi ça? La taille de la tête. Ça, je vais laisser, je vais pas me faire chier. Face shape. Bon, c'est en anglais, donc c'est un peu chiant. Mais il suffit d'essayer les trucs et on comprend. Mais le nez, ça, le nez, faut... Le nez, le nez, le nez. Il est là. Longueur du nez, on l'augmente un peu. Et ça, c'est la courbure, je crois. Enfin, j'espère. Je vois pas l'incidence. C'est l'arête du nez, ça? On peut zoomer ou pas? Ouais, voilà. Sur les selles. Ok. Je ne sais pas ce que je modifie. Je ne sais pas ce que je modifie. Ah d'accord, c'est la largeur. Bon, il est assez fin. Et ça, c'est la courbure, je crois. C'est la longueur, pas la courbure, alors. Si, c'est la courbure. Et ça, c'est la grosseur du pif. Du tarin. Aïen comme train, comme pain. Voilà, j'ai un nez plus beau qu'en vrai, mais du coup, c'est mieux. Lips. Et... je sais pas. C'est la bouche. Ah! Tu peux même créer un Robert De Niro, en fait. Tu fais ce que tu veux. La finesse de... Là, c'est la petitesse de la bouche. Et ça, c'est la finesse de la bouche. Non, c'est un autre truc. C'est la langue, c'est ça? C'est pour faire des lèvres pulpeuses. D'accord, j'ai pas trop envie. On peut pas régler la finesse? C'est la tête de quelqu'un que je connais, ça. Lip fullness. Ok. Bon, vous voyez, hein, c'est complet. Même un peu trop, en fait. Ok. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Torse. Enfin, body, c'est... Ouais, c'est torse. C'est la taille. Hey, ouais, c'est la taille, ça. On se fait assez grand, hein. Du coup, il en traverse la croix. Je crois que c'est ça, je vais pas jouer à un nain, parce que ça va commencer à... Ça fera peur, après. Et la valeur numérique, là, elle veut dire quoi, en fait? Si je mets 10, ça a aucune incidence, le maximum, c'était... Ça, c'est la valeur de base. Ah, c'est juste que le chiffre monte pas, d'accord. On va se faire comme ça, pas abuser. Et très musclé ou mou. Comme ça. Faut pas exagérer non plus. Et le mec, il est tout strié, là. On dirait Wolverine dans un des films. On va mettre comme ça. Ok. Torse. Ça, c'est les pecs. Oh! Ouais, j'ai un peu exagéré, là. Bruh. Et c'est n'importe quoi. Le pauvre. Parce que je veux pas que ça bug avec les vêtements, en fait. Donc, faut que je fasse gaffe, quand même, aux proportions. Et du coup, j'ai peut-être fait le con sur la taille, là. Je pense que, logiquement, ça devrait aller, là. Ça, c'est quoi? La hauteur du torse. Ah ouais, mais putain, ça fout la merde, ça. Voilà, on va pas toucher à ça, parce que là, on commence à faire des trucs bizarres. Les bras. Pareil, il faut pas changer ça. Trop risqué, j'ai pas envie que ça foute la merde avec les vêtements. La taille des pieds, ben c'est pareil, hein. Y a pas de nudité sur ce serveur? J'avais mis ça sur l'autre truc. Non mais je rêve, la taille du prépuce, tout ça, c'est n'importe quoi. Mais si je vois pas, comment je fais? Spotlight, c'est quoi ça? Ah mais non, là c'est chier par contre, parce que si je peux pas voir la taille des testicules,
SAG, SAG, je ne sais pas ce que c'est. La taille de ça, bon, on va faire comme ça. Je ne sais pas ce que ça représente, je vois pas. Aucune chance de distinguer parce que voilà, tant pis. Ça veut dire quoi ça? GIRTH. GIRT. GIRTH, ça veut dire quoi? GIRTH. GIRT. GIRTH. Largeur? Je peux pas. Je peux pas. Bah, il a son cache méchant là, donc je peux pas voir ce que ça Ah, fait. tu as enlevé son machin? Je peux pas. Le serveur est mis en nudité, pas de nudité pour éviter Oh, justement que pourquoi tu ça. modifies? Ben, il propose, moi je le fais, mais le problème c'est qu'on peut pas voir. Il faudra mettre la nudité après. Moi si je peux pas me voir à poil dans le jeu, je joue pas. Mais déjà, il te ressemble pas là. Regarde la tronche que tu lui fais, on dirait des. Il a une tête de raisin sec. Une tête, ben, j'aimerais bien être comme ça, moi. Il a une tête de raisin Ouais, ben, sec. c'est très bien, j'aimerais bien être comme ça. Et ça c'est quoi, des airs? C'est là où j'apparais? Ben, je peux pas changer de toute façon. Ok. Et la taille des testicules, on va pas trop abuser non plus. Ah non, c'est pas ça, c'est SAG, ça. Je sais pas ce que c'est, SAG. SAG. Taille. Voilà, juste comme ça. On va pas faire les fous. Mais si, il me ressemble très bien. Par contre, j'aime pas trop le corps, là. Je l'ai pas fait assez dessiner. Au niveau des bras, c'est à chier. C'était où? Physique, c'est là. Voilà, un peu plus sec quand même. Le mec, il vit à l'époque de Conan. S'il est pas musclé, c'est qu'il y a un problème. Il a dû se cacher dans une grotte. On va juste. Ouais, voilà, comme ça. Toc. Are you sure you are done creating your character? You may not be able to change for a long time. Je sais. Je sais. Racial During the bonus. year of J'ai the un bonus de conflict, race, c'est a quoi ça? prisoner captured by unknown means was Vous avez vu comment je transported parle bien anglais? into the exiled lands, A strange and crucified, understand left to under die for crimes that rebel. they may or may not have committed. Community. Death comes swiftly on black wings Black Wings. until fate intervenes. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de crash. Moi, en général, quand il y a des mods, je me méfie toujours que ça crash. Oh là! Ah ouais, effectivement, la map est bien changée, hein. On est censé être dans le désert là. Comme elle m'avait dit, il n'y a plus de désert quasiment à part une petite zone. Ce qui fait que comme ça, on est bien. Le mec a tout modifié au niveau du jeu, quoi. Il est doué, hein. C'est quand même Conan qui vient m'aider ou c'est quelqu'un d'autre, genre Morpheus ou je sais pas quoi. C'est quand même Conan. Thirsty, dead man. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized men are soft. Your lives are not nailed to your spines. I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again. C'est dommage qu'il y ait quand même le bracelet. Ça aurait été cool qu'un des mods l'enlève. J'ai toujours trouvé ça chiant le bracelet. This land is not love, man. You are marked. The ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the Je ne sais pas ce que cross. c'est, ça, racial bonus. Bonuses. Bonuses. Live. Love. Burn with life. Slay and survive. We will meet again, dead man. Oui, on te reverra à la taverne. Ah putain, c'est vrai que t'as laissé les tempêtes de sable et tout ça.
Je suis à nouveau accroché. C'est normal? D'accord, pardon. Voilà, bienvenue à toi, j'espère que tu t'amuseras. Bon jeu. Merci. J'accepte les règles, surtout quand il n'y en a pas. Bon, ben, on sait déjà qu'il va falloir rédiger les règles. Bon, faut le temps que ça charge, ben voilà. On est arrivé. C'est. Ah si, je me disais aussi. Capture pour l'illustration. Pardon, pardon, pardon. T'énerve pas. Qui es-tu? En même temps, si. D'accord. Ouais, salut. Toi, t'es pas un PNJ, t'es un joueur. Et comme j'avais, comme un idiot, enlevé les noms, je ne sais pas qui tu es. Je suis sûr que c'est Rudy. Attends, Rudy, à ton bras, à ton bras. Attends, 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 attends. Faut que je remette quelque chose d'important. Gameplay. Afficher les noms. Nudité. Total. Je sais pas si ça va le prendre en compte, mais on verra bien. Et par contre, c'est pour l'audio. Audio, appuyer pour parler, je veux pas. Je veux que ça parle automatiquement. Volume de la discussion vocale. On va mettre comme ça. Par contre, il faudrait être en chat de proximité. Alors, je sais pas si tu l'as activé. Ah, bah, j'ai peut-être un peu foiré sur la taille. Bah ouais, mais c'est sûr que c'est mieux quand on voit. Merde. On va se foutre de ma gueule. Oh là, mon Dieu, je vais me prendre dans les branches. Attends, 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 il faut que je me rhabille. Je peux pas laisser ça comme ça. Je referai le perso. Hein. Parce que là, clairement, c'est pas possible. Partiel. C'est bien partiel. Voilà. T'es où, Rudy? Oui, c'est Rudy, je savais que c'était toi. Bon, par contre, je peux pas t'entendre. Comment on... Si tu vois le direct là, est-ce que tu peux me dire comment on active le chat de proximité? Normalement, j'ai. Ouais, bah j'ai faim, désolé. Je te prends des œufs, t'énerve pas. En plus, ça a une tête. Oh putain. Ouais, bah ouais, mais t'as vu l'arme que t'as aussi, toi? Non, faut que je fasse le tuto. Je ramasse des fibres. Je vais les taper à coups de branche, tu vas voir. Au pire, je reste comme ça avec le perso, même s'il a un truc géant, c'est pas gênant. Ça permettra de. Genre, ça sera mon secret. C'est le secret de story, tu vois. Secret story. Sa volonté est grande, mais il n'y a pas que ça. Secret story. Il peut vous marcher sur les pieds, mais il se marche aussi. Ah! Et effectivement, les gardes ne m'aiment pas. Je pense qu'ils étaient sur attaquer tout le monde. Il est en train de modifier ses PNJ. Tu m'as envoyé dans un piège. C'était un traquenard. Ou alors, ils ont vu mon truc et ils se sont dit, bon, on va en couper un morceau pour le repas de ce soir. Attends, j'arrive. Merde, je suis fatigué déjà. Enfin, peut-être que je me fasse des fringues quand même. Ça va, la faim et la soif, ça a l'air plutôt bien réglé.
je l'avais pas vu lui. Bon, normalement c'était tout droit, hein. J'arrive. Oui, j'ai juste à suivre les cadavres en fait que tu as laissés sur place. Fais-moi un signe si je peux avancer sans mourir one shot. Parce qu'ils m'ont one shot, hein, tes PNJ. Là. Si je peux y aller, si tu peux faire un petit saut sur place. Regardez, j'avance doucement et si vous voulez, je me mets même tout nu. Comme ça, vous oserez pas me frapper. Je viens en paix. Eh non! Ah, tu m'attires là pour que je meure en fait. Tu veux une collection de cadavres de Hermès en fait, c'est ça le concept? Fabriquer un lit, ça sert à rien. Je vais remourir de toute façon. Sanguis supérieur. D'accord. Merde. Oh, c'est un bébé! Oh putain, quel con! Je me suis trompé de route. Ouais, bah, je suis. Ouais, d'accord. Si tu peux sur Twitch me dire si je peux y aller dans ta base là ou pas. Et surtout me dire aussi pour le chat vocal, ça serait bien qu'on puisse entendre, à moins que tu veuilles que je me mette sur le Discord du coup. Et il faut me le préciser dans ce cas-là. Si tu peux sur Twitch. Voilà, le son fonctionne, parce que je me disais peut-être que ça fonctionne pas. Je vais sonner, c'est peut-être parce que j'ai pas sonné avant d'arriver. Pardon. Toc toc. J'aimerais bien ramasser quand même mes trucs. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ah, on perd pas son loot? D'accord. Bah écoute, tant mieux, on va dire. Peut-être que les nudistes sont interdits chez vous, donc je vais m'habiller. Ça serait bien d'avoir l'indicateur quand on parle. Au moins, je saurais si tu m'entends ou pas. C'est pas mal, ça. C'est pratique, ça. Putain. Ok. Donc, fabriquer. Fabriquer, fabriquer, et fabriquer, et aussi fabriquer, je peux pas, il faut débrancher des pierres. Le mec a rien compris au jeu. Salut bébé. Oh pardon. Haha. Bah, vous l'attaquez pas. Moi, vous m'attaquez, lui non. Pas d'archer, j'espère. Je visite comme je peux. Hein. C'est très joli chez toi. Ton comité d'accueil, un peu moins, mais c'est très joli. Attaque!
putain, la distance de poursuite est longue. Hein. C'est bon. Il faut des branches. Je peux déjà faire ça, non? Il me faut des branches. C'est très beau chez toi, Rudy. Hein. Sauf que bon, on n'a pas le droit d'y aller, quoi. Waouh. Ah, tu t'es bien installé là. Super joli avec la statue géante. Un lieu de détente. Et de méditation. Et les arbres sont super beaux, donc si c'est toi qui les as mis, je sais pas comment t'as fait, mais c'est beau. Et moi je cherche des branches. Mais c'est l'oasis de machin, ça. Attends, on est où là? Merde, quel con. Peut-être pas le moment grave. Non, c'était pas le moment, effectivement. Je vais me faire botter le cul. J'ai juste failli mourir là. Oui, barre-toi. Donc oui, je disais. Ouais, c'est ça, on est à l'oasis. Ok, d'accord. Ok. Ok. J'ai déjà ça. C'est à cause des vêtements que je porte. Ou de la race. Ouais, c'est le bénéfice qui a la race. Ça doit être ça. Ou le truc entre les jambes. Vitalité. Hop. Bon, je veux des branches.
va aller ailleurs pour trouver des branches, hein, c'est pas grave. Je vais aller me faire la mer rouge, tiens. Allez. Comme ça, à coup de poing. Ah ça, je m'en souviens, tu me l'avais montré. Le petit village au bord de l'eau. Bon, par contre, niveau cardio, faut vraiment que j'améliore mon cran. Hein. Bonjour. Et merde. C'est en cours de build ça. Ah bah c'est cool. Je pourrais mettre ma paillasse en attendant. Ou pas. Non je vais pas me permettre. Faut pas abuser non plus. Mais ce qui serait bien c'est vraiment que j'ai des branches quoi. Parce que là sans branches je peux rien faire. Sans branches, pas de barbecue, rien quoi. Putain le cardio a chier. Bon attends. Manger. Je demande pas mieux que d'utiliser un lit ou une paillasse, mais j'ai pas de branche. Genre il est blessé là. Ah bah voilà. Putain. 3, il m'en faut encore. Mettre notre paillasse quelque part déjà, ce sera pas du luxe. Un endroit où je me ferai pas péter la gueule. On va se mettre pas loin de là, comme ça sera facile pour me retrouver. Ouais, elle est belle ta construction, hein. Putain. Ouais, c'est beau. Est-ce que je peux me mettre là ? Petit poney, tu es tout gris et tout petit, petit poney,
petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney. Petit poney. Petit poney. Lac de soufre. EUTP, c'est ça? D'accord. Et là, j'imagine que c'est fermé. Eh ben non, c'est pas fermé. Il y a quelqu'un qui fait dodo. Allez, ta construction a fait un peu plus ramer quand même déjà. Je me suis permis d'entrer, hein, tu verras sur la vidéo, désolé, mais bon. La seule personne qui m'a accueilli, c'est Rudy, et il m'a envoyé chez lui pour que je me fasse couper la tête deux fois, donc du coup... Salut, d'Ivoire. D'Ivoire. D'Ivoire, qu'est-ce que tu viens faire là? D'Ivoire. Il arrête pas de me dire coucou, ça veut dire que je peux lui parler, je pense. Ah putain, ouais, ça doit être les surfaces vitrées qui font perdre en FPS. Ça, c'est une prison. Je pense que c'est la prison. Et les fameuses surfaces vitrées qui sont trop belles. Le comité d'accueil est à chier, hein. Personne pour m'accueillir et me faire visiter. C'est une honte. Je plaisante, bien sûr. Il y a des rocking chairs. C'est vrai qu'à l'époque de Conan, il y en avait souvent. Merde, c'était pour mettre dans les EHPAD à l'époque. Il y a beaucoup d'EHPAD. Et il y avait beaucoup d'EHPAD avec des danseuses aussi, qui ressemblaient à Harley Quinn, un petit peu à Harley Quinn infirmière. Effectivement, il y avait beaucoup ça dans les EHPAD à l'époque de Conan. T'inquiète, attends. Merde, j'ai pas les emotes. Je veux pouvoir danser moi aussi. Ah, j'ai pas le droit. Je fais des jongles. Mais je peux pas non plus. C'est quoi ça? Begin consent. Ah, d'accord. J'ai pas le droit. Attends, on peut faire des serres quoi. Avec des surfaces vitrées, ça va être un truc de fou ça. Oh, les constructions de malades qu'on peut faire ici. J'aime bien le coin, il est bien. L'installation est propre. Très propre. Je ne sais pas qui tu es. Normalement, on peut regarder. C'est qui ça? XC, non. Mais non, c'est les escaliers. Je veux pas toucher l'escalier. Non, c'est les pieds qu'il fallait viser. C'est pas ça non plus. Bon. Avant, on pouvait voir le nom, mais là, on peut pas. Bon, au moins, c'est pas sur attaquer tout le monde déjà. C'est mieux. Yep. On va se fabriquer un coffre après. Voilà. J'ai cette branche. Le coffre, je vais la prendre pour la faire. Il est là. Voilà. Voilà. Et on va se faire les outils. Donc ça, je l'avais pas déjà lancé ça. Ok. Et ben, je peux faire que ça pour l'instant. Heureusement que j'ai fait ça en premier. Il manque des branches. Des branches, on va. Mignon le bébé. Ouais, le multiplicateur est quand même assez élevé, je pense, pour la récolte. Mais bon, c'est pas plus mal. On perdra moins de temps. Pardon. Oh, je suis lourd, là. On va faire le coffre tout de suite. Je vais en faire deux. Merde, la ficelle avant.
Il me faut 24 de ficelle. Ça, c'est pour faire un rouleau de PQ. Non, c'est pour les soins. Le craft n'est pas trop rapide, par contre. Donc, c'est bien. Hop. On fabrique les deux coffres. Et on se fabrique ça. Ah, le système de construction n'est plus le même. Ah, c'est con, je suis en train de marcher, mais quel abruti. Normal, j'appuie sur Shift. Ok, j'en ai fait deux coffres, s'il vous plaît. C'est pas grave. Ok. C'est pas ce que je voulais faire. C'est jamais, hein. Je sais pas qui va se pointer sur ton serveur vu qu'il n'y a pas de mot de passe pour l'instant. Coniferous tricides. Tout ça c'est nouveau ça. Ça vient de Copperstone. Ok. Il y a plein de nouveaux trucs. Hein. Il y a plein de nouveaux trucs. Tiens. Hop. Tu prends tout. Tu me laisses que ça. Ça et ça, parce que c'est pas lourd. Dry plant matériel. Je ne sais pas. Merde, j'avais encore des trucs là-dedans enlevés. Tu prends mes abeilles, j'en veux pas. Mes insectes, je m'en fous. Ça, on s'en fout. Ça, c'est bon. Voilà. C'est une affaire qui roule. Toi, tu vas aller là. Toi, tu peux aller là. Et toi, tu vas là. Et ça, c'est quoi? Claim package. Je ne sais pas ce que c'est. When killed by NPC. D'accord. Et ça, Iwa features. Ok. D'accord. Iwa, ça me fait penser à Avatar. Désolé, je coupe tes armes, mais ils vont repousser normalement. La nuit va tomber. Corse. Voilà. On a assez d'écorce comme ça.
que j'ai des points d'aptitude là, parce que sincèrement, bah, je viens d'en gagner un. Parce que le cran ne va pas du tout. Et c'est l'encombrement que je voulais faire en fait, mais c'est pas grave. Mais c'est bien, le fait de l'avoir augmenté, ça m'a fait gagner un peu et suffisamment surtout. Je crois que les noms, les gens peuvent les voir, donc ah, je sais ce que je vais faire. Attendez. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, personne ne vous l'aura jamais fait celle-là. Les messages en caisse. Désolé, je ne savais pas où aller. Et toi, je peux te nommer aussi? Non, pas. Hé, bébé tigrou. Hop. Du coup, maintenant, mais il est foutu. Donc, autant je le mettre dans ma boîte et il va mourir au bout d'un certain temps. Il va mourir au bout de 23 heures. Enfin, 24 heures, du coup. Si quelqu'un veut le mettre dans un frigo, pour me le garder pour plus tard. Faut que je vois cette histoire de chat, de proximité là. Parce que sinon ça va poser quelques problèmes en fait. Si je peux pas communiquer les gens, communiquer avec les gens en vocal. Ok. Aptitude. Ficelle et épée en pierre. Faut déjà faire ça. Du coup, il manque de la ficelle. On va en fabriquer. S'il veut bien. C'est quoi le souci là? Quel est le problème? Genre, tu veux pas me faire de ficelle? Ah si, voilà. Il est fou, il est fou. Je
Du coup, 5 ficelles. Et l'épée, une fois finie, c'est bon. Je vais vous botter le cul, moi, vous allez voir. Normalement, vous étiez caché là. Ou je me gourde coin. Oui, je me gourde coin, vous êtes là-bas. Ah ouais, mais non, toi, je t'affronte pas, toi. On verra plus tard si je veux botter des culs. Ton installation, elle est belle. Hein. À l'intérieur, c'est beau, tout ça, c'est très détaillé. Le problème, c'est qu'en fait, il y a tellement de surfaces vitrées et réfléchissantes. Je m'en doutais. Merci. Merci, les archers. J'ai bien fait de m'installer là, moi. Ils m'ont sauvé la vie. Voilà ce que j'ai oublié. Quel con. Pierre et bois. Pierre n'est pas là. J'imagine que Pierre non plus. Toujours ensemble ces deux-là. Tu peux scinder s'il te plaît? Merci. Merci. Et merci. La barbaque. Et bah, c'est tout. Parce que le reste, on aura du mal. Du quartz. Les œufs, c'est bien, ça me donne de l'eau aussi. Je savais pas ça par contre. Beaucoup de choses que je savais pas, mais ça je savais pas. Du coup, hop.
Hop, bah, je fais ça et je vais vous laisser. Comme ça, au moins, on va un peu se décharger. Ouais, tout ça, ça se mange hein, normalement. Et ça, je le garde sur moi. Ça, on va laisser dedans. Ok. Ah, voilà. On va pouvoir faire dodo. Hop. Hop. Je peux pas. Bah non. Sûrement parce que j'avais ça à la main. Voilà. Hop. Bon bah à plus hein. J'essaierai de voir pour me connecter en même temps que toi, Rudy. Allez, ciao.